The honorable delegation that came with you, and through all of you, we send greetings back to our brothers and sisters back in Congo. Mr. President, we are honored to have you here during this visit. And as has been said, the good relationship between our two countries speaks for itself and will continue to do so through action and results based on what has also been stated to us that is going on over the last weeks and months, and looking forward to good results. We were pleased that you visited us at this time. You found time despite many things you are dealing with, and we are very happy to be presented with an opportunity to honor you, Mr. President, for the reasons that have already been stated, not only matters to do with our bilateral relations and the closeness of our two countries, but also the engagement and your efforts across our continent for peace, stability, and prosperity of the people of this continent. We want to see more interactions beginning with our two countries, but we want to see our two countries thrive and interact more with the people of our continent. And we already have progress in the area of African continental free trade area. We want to make that work. We want Rwanda and Congo to be in the lead of making this progress work for our continent. I will not go through the details of projects again that have already been mentioned, but these were just stated for us to make sure that our collaborators work more closely together and put more energy into it, and we see accelerated progress that we desire to have. Let me therefore welcome you once again, Mr. President, and assure you that this is a moment we have cherished, and we will build on it going forward, and you will see us more in Congo Brazzaville. We wish to see you more. You, President, but also the people of Congo. We should both people in Congo and Rwanda, when they are visiting each other,
they should feel at home. Once again, all the best to you and best wishes through you to the people of Congo. Thank you very much. Silence, Monsieur le Président, Paul Kagame, chers frères, Monsieur le Ministre, Mesdames, Monsieur le Ministre, quoi qu'il y ait des dames ministres, aussi. Chers frères, chers amis, je dois d'abord remercier mon frère le président Paul Kagame pour l'invitation qu'il nous a adressée d'effectuer une visite d'État ici au Rwanda à la suite de ce qu'il a effectué dans notre pays. Et depuis hier, notre pays et notre peuple ont été fortement honorés ici, d'abord par l'accueil chaleureux qui nous a été réservé hier toute la journée, toute la soirée, et ensuite par cet autre honneur qui a été fait à notre peuple, à notre pays, à travers la haute distinction qui nous a été décernée hier soir. Nous l'avons dit, nous le redisons. Et cette distinction, à travers notre personne, a honoré notre pays, notre peuple. Et je dois encore redire merci ce matin. Et je l'ai dit hier au Parlement et aussi et lors du toast. Et j'ai dit que le président Paul Kagame effectivement marquait l'histoire de son pays, l'histoire et du monde aussi. Et puisque après la tragédie qui a été connue dans ce pays en 1994, il a pu replacer ce pays, ce peuple, au niveau le plus élevé de sa cohésion interne, au niveau le plus élevé de la capacité de reconstruction, au niveau le plus élevé de la relation avec les autres peuples d'Afrique et du monde, et à replacer ce pays à un niveau de notoriété et admirable. Et c'est ce qui permet au Rwanda et au Congo de relancer la coopération dont nos ministres venaient de parler. Et en ce qui me concerne, je pense que je l'ai dit au président Paul Kagame aussi, nous devons rester très regardants et obtenir que tous nos collaborateurs à tous les niveaux travaillent d'arrache-pied pour que l'on aille vers le concret et vers les résultats. Que la coopération ne devienne plus seulement cet espèce de rituel
qui passe de commission mixte en commission mixte, de signature d'accord en signature d'accord, qui après sont classés dans les tiroirs des ministères. Et on ira au résultat. Je dois aussi dire que le président Kagame, son peuple, son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix, de la sécurité en Afrique. Et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Est, et parfois directement dans les rapports bilatéraux avec les États. Je dois dire que en 2006-2007, lorsque j'étais présent en exercice de l'Union africaine et qu'il y avait le grand défi sécurité à relever dans le Darfour, et nous avons fait appel au chef d'État d'Afrique pour l'envoi des troupes au Darfour sous l'égide des Nations Unies. Et c'est de milliers de soldats rwandais que nous avons retrouvés au Darfour. Et deuxième exemple, j'étais médiateur dans la crise de la République centrafricaine. À cette occasion-là, nous avons vu arriver en Centrafrique des troupes rwandaises. Il y avait aussi des troupes congolaises, burundaises et d'autres États sous l'égide des Nations Unies. Mais au-delà, en République centrafricaine, il y a eu des accords bilatéraux entre la République centrafricaine et le Rwanda, qui ont vu le Rwanda envoyer de nouvelles troupes en Centrafrique, cette fois dans le cadre d'un accord bilatéral. Nous avons suivi la situation difficile au Mozambique. Ce n'est déjà plus l'Afrique centrale, ce n'est déjà plus la communauté des États de l'Est, mais c'est déjà la SADC. Et nous avons vu, je crois que ces troupes sont encore là-bas. Je cite ces exemples, je sais qu'il y en a d'autres. Les troupes rwandaises ont volé au secours du gouvernement et du peuple de Mozambique pour tenter de rétablir la paix et la sécurité au Mozambique. Et je crois que les résultats ont été nettement observés. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de la ZLECAF. Oui, je pense que la ZECAF ne peut connaître son essor véritable et que si il y a la paix en Afrique, que s'il y a la libre circulation des personnes et des biens. La ZLECAF ne peut pas fonctionner si les personnes
ne peut pas circuler en Afrique. Sinon, qu'est-ce qui pourrait se produire? Qu'on amène les produits et on les laisse à la frontière et les personnes ne peuvent pas aller dans l'autre pays. Et c'est quand même, ce serait un commerce curieux. Hein? Les marchandises, on les laisserait aux frontières. Puisque les personnes ne peuvent pas librement circuler dans les pays, et comment pourrait se développer un tel commerce? Il y a déjà la libre circulation des personnes, des biens. Et pour que cette circulation des personnes, des biens soit possible, et il faut qu'il y ait des infrastructures de communication. Les produits ne vont pas circuler sans les routes, sans les chemins de fer, sans les bateaux sur les fleuves ou les mers. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi les télécommunications. Voyez. C'est une arme redoutable aujourd'hui, les télécommunications. Chacun peut acheter sa marchandise dans un autre pays étant dans son salon. Si ces infrastructures n'existent pas en Afrique, je crois que ce sont malheureusement ces infrastructures qui manquent à l'Afrique. Et aussi la volonté d'obtenir qu'il y ait la paix en Afrique et la volonté d'obtenir qu'il y ait libre circulation des personnes. Des personnes allant d'un pays à un autre. Hier, je rappelais dans mes interventions le fait qu'ici même, à Kigali, c'est le président Kagame et le président Idriss Déby, paix à son âme, qui ont initié ce projet fabuleux de l'institution d'un passeport panafricain. Le passeport panafricain. Ce n'était pas une clause de style. C'était le message lancé à l'Afrique pour que les Africains circulent en Afrique et se sentent en Afrique comme chez eux. Et le président Kagame nous avait brandi son passeport ici même, il m'a dit hier soir qu'il avait encore lui son passeport. Le président Idriss Déby, paix à son âme, avait aussi brandi son passeport ici, à Kigali. Et je pense que son passeport est bien gardé à N'Djamena. Moi-même, j'ai passé toutes les procédures. J'ai posé les empreintes, on m'a photographié, toute la procédure. Ici, hier, j'ai demandé au président Kagame de me donner mon passeport. It went to Paris. Et donc, c'est cela, et l'Afrique. Bon, je pense que il faut manger bouchée par bouchée. La première bouchée, c'est d'abord la nôtre, celle qui nous réunit maintenant, la coopération entre le Rwanda et le Congo. Bon, qu'on mange cette bouchée-là et que ce soit un exemple. Il faut que ce soit exemplaire. Je pense que tous nos collaborateurs nous aideront à atteindre ce but. Et je me réjouis donc d'être ici à Kigali. Je suis venu plusieurs fois. Plusieurs fois déjà. Je suis venu plusieurs fois ici au Rwanda. Je reviendrai sans aucun doute.
Et comme le Pésar Kagame l'a dit, nous allons encourager la libre circulation des Congolais au Rwanda, des Rwandais au Congo, et tout mettre en œuvre pour que ce petit maillon de la construction de l'Afrique, qu'il prenne réellement son envol. Merci, mon frère Paul. Visite magnifique. Merci beaucoup. Merci bien, messieurs les présidents. Je suis Célestin Okano-Yirika, journaliste. Le sol rwandais. Monsieur le président, quel sens donnez-vous à ces visites régulières de haut niveau entre? Merci. These visits stem from the desire for the people of Congo and the people of Rwanda, led by the leaders present here, both of us, to work together. And these visits make the distance between Rwanda and the Congo very short. It compresses the distance. And it means that being example, that's how we want Africa and the countries on our continent to relate to one another as well and as one people across the continent. But it is not just the visit. We want the visits to be built on working together on tangible foundation actions and results that we can see when people are investing in each other's countries. And if we do business with each other, and if we see development on both sides of Congo and Rwanda coming up and going beyond our own borders, the two visits are just about that. They are about creating first the connection of the two countries, but through that, connect with the rest of the continent and allow the rest of the continent to connect with us through different means. And it means we are there for each other. When there is any problem in one country, we can work together to address it. If it is in another, the same thing. That's how really people should be living together. We shouldn't allow these artificial barriers to prevent people from doing what they should be doing for themselves. So that's, I think, the message is clear. It has been clear for a long time. We shouldn't just, and I really agree entirely with the president, that we shouldn't just be talking and saying nice things, but we should see good results from
the very things we intend to do or we say we want to do. That's when Ushari have given the meaning of to that interaction and the crossing of bridges to either Congo or Rwanda. Thank you, Mr. President. We'll now take. Thank you. My name is Philbert Girinema. I work for UGA. Your Excellency, my question goes to you, Your Excellency, President Paul Kagame and President Nguesso. Referring to the speech made by Minister Denis Christel, Rwanda and the Republic of Congo have committed to a series of agreements to invest in each other's key sectors. However, many criticize this intra-African investment, saying that it's unreliable and exploitative. I would love to hear from you, Your Excellencies, what do you say to those critics? Thank you very much. Bon, mais il s'agit certainement de personnes qui n'ont rien compris à tout ce que nous disons au sujet de la construction de l'Afrique. Et ceux qui n'ont rien compris. Et les accords tels qu'ils viennent d'être présentés, ils sont tellement clairs. Il s'agit du développement du secteur de l'agriculture. Il s'agit du développement du secteur industriel, c'est-à-dire la possibilité qui est donnée à l'Afrique de produire en Afrique des biens au lieu d'aller les chercher au bout du monde. Donc, de produire en Afrique même des biens, des services, de transformer en Afrique même nos propres matières premières. Bon, et de développer les secteurs miniers, rechercher là où il y a des minerais, et les développer. Et le cas échéant, je ne vois pas comment un véritable Africain, un vrai Africain, comment il peut. Qu'est-ce qu'il a dit que c'était pas valable, hein, c'est pas. Comment il critique cela? Que c'est pas crédible. Que c'est pas crédible. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Et s'il y a des gens qui pensent comme ça, on va leur expliquer. Et ils finiront par comprendre. Et puis d'abord, il faut que ce soit concret. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats, ils comprendront que ce sont des projets crédibles. Alors, nous demandons à nos collaborateurs d'aller aux résultats. À ce moment-là, tout le monde comprendra. Merci beaucoup. Let's add a little bit to what the President has said, but I think he has said all that needed to be said. And I had the same problem of understanding what the question meant. But let me, without wasting time, we shall invite the critics to accompany us on this journey. I'll pay them their ticket. I'll pay for that. And
they can keep following it to see the meaning, the viability of what we are trying to do together, the two countries. The only problem is we haven't gone far yet. We just have a lot of work before us to do, and we should get down to work and then give the critics something to talk about that is there, but not criticize something that hasn't even happened. So I think the journalists or the critics are doing their job. Let's do our job too. Thank you. Thank you, Excellency. President, je m'appelle Jean-Pierre Kagabo. Je suis journaliste de la télévision rwandaise. J'allais poser une question sur les défis sécuritaires, vous les avez évoqués, mais permettez-moi de poser cette question. Quel est l'état de la coopération entre la République du Congo et le Rwanda? Est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit mieux encore? Merci. Mais je suis satisfait parce que l'orientation est claire. Oui. Il faut d'abord qu'il y ait des idées claires. Et je suis satisfait, oui, parce que nous avons donné des orientations claires. On a identifié des projets clairs et on a signé des accords qui sont clairs, qui ne prêtent à aucune interprétation fallacieuse. Les accords sont clairs. Certains projets sont identifiés. Et je dis toujours que le plus long voyage commence toujours par le premier pas. Et bon, on a déjà identifié un certain nombre de projets. Alors, il faut qu'on les exécute. Et après, on va évaluer. Et personnellement, moi, je suis confiant. Hein. Je suis confiant. Et si, comme nous le disons, nos collaborateurs à tous les niveaux s'engagent et tentent de réaliser concrètement quelques projets, on aura des résultats. Vous verrez qu'il y aura des résultats. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Merci beaucoup.